Vide le bâti, oui, pour le moment, je n'ai pas pris un chat.
Voilà le but de quoi était le jeu, c'était qu'il est là. C'est clair. Arrêtons de faire ce genre de choses. Quelles sont ces blagues-là? On fait de la démocratie ou on fait de tout un monde de n'importe quoi? Je me tais, mais ce que j'ai vécu, je dis bien, ce que j'ai vécu en réclamant victoire, je remercie les Togolais parce qu'en fait, de toute façon, en dépit de tout, beaucoup de l'empathie et de la sympathie, de la solidarité. Nous sommes encore debout aujourd'hui grâce à cette solidarité-là, grâce à cet encouragement. C'est pas bien. Ce n'est pas bien. Dans la Constitution, elle s'est dit, hein, quand tu reçois un ordre, il n'est pas un ordre pertinent, tu as le droit de refuser. Je crois quand même que c'est ce droit que tout ça est utilisé. Quand tu reçois un ordre qui n'est pas pertinent, tu as le droit de refuser. Ce qui exécute cette passe de somme, nous ne serons pas là, mais ils seront interpellés comme pas de somme. Ça, j'en suis sûr. Remonter de tout à l'hôpital de nazis, tout ce qu'on a poursuivi là, jusqu'à y répondre. Alors, ce qu'on s'est dit, les Togolais, indivisibles, nous sommes tous enfants du même pays. Je ne dis pas que, bon, on a tout à raison, mais nous avons le devoir d'appeler nos difficultés. Et ce que je voulais aussi vous rappeler, le gouvernement de Mané a échangé avec la La demande a été formulée le 20. Aussitôt, Monseigneur Potro a convoqué le conseil des sages. Ils m'ont invité. Et je leur racontais l'anecdote sur laquelle le ministre Yao la paix à son âme, avait l'habitude de nous dire que quand on te dit de venir, d'écouter, vas-y. Que c'est comme ça qu'on a appelé les animaux de la forêt. La grenouille dit, je ne connais pas l'autre juge, je n'irai pas. La girafe était la première à arriver. On lui a donné, c'était le jour de l'addition de tout. On lui a donné un long. Et la grenouille était restée à la maison, lui n'a pas voulu parce que la tête était dans le corps là en même temps. Et donc on a décidé d'aller. Et c'est cette nuit qu'on a été attaqué. Où est le Seigneur? Vous demandez le dialogue, nous avons dit oui, on va dialoguer avec vous. Ce n'est pas nous qui avons demandé le dialogue. Mais en temps, pour montrer dans la perversité donc, de certains, donc dans cette équipe-là. Il y a un petit peu, mais si les réseaux ont dit, qu'est-ce que la délégation d'Akolo Toto cherchait Gilbert Barbara en pleine nuit? Moi, je suis confiné depuis, hein, je ne sors plus. C'est à qui seul il m'a sorti la plus seule lumière parce que je ne voulais pas sortir de l'impératif qui doit venir. On s'en va. Mais ils anticipent celui qui pose son acte. Il reste une salle d'autres. Vous passez donc par un débat. Pour nous joindre. Bonsoir. Ah, on n'a même pas encore demandé de répondre à la question, mais vous avez sur les réseaux sociaux, on dit que qu'est-ce que la délégation des Boyou Kodjo cherchait J.B. Barra en plein jour. Je répète, non. Mais je ne suis pas content. Je dis, je ne suis pas content. Vous ne pouvez pas me voler, le reconnaître et me dire de ne pas pleurer. Je dis bien, vous ne pouvez pas voler, du moins de la victoire de la reine. Vous-même, le parti qui a volé, vous reconnaissez que vous avez volé. Et vous dites, non, non, ne va pas. Ok, je ne parle pas, vous m'attaquez, vous m'entraînez, vous prenez ma femme et mes enfants, vous les menottez. Vous prenez la maison, on vous dit de venir chercher à voler ça. Vous prenez tout le monde et vous les faites souffrir là-bas. Oh Dieu, Dieu. Où tu es? Nous invoquons ta justice sur ce pays. Voilà ce que je voulais vous dire. Et mon cœur sait. Parce que premier ministre, il a du mal à jamais cette idée-là, du moins vis-à-vis de Gilles Sonito, son pire ennemi. Jamais. Je dis bien jamais. Mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? J'ai construit ce pays. Personne ne peut me nier puisque les faits sont là. Et vous allez prendre un champ pour venir défoncer ma maison. Alors que vous-même, vous reconnaissez que j'ai gagné. Quelle est cette hypocrisie-là? Alors, soyons sérieux. Je dis, mais soyons sérieux. Je porte la victoire de la dynamique en moi jusqu'à mon dernier souffle.
de près là 10 millions de réussites.